Voilà, je suis revenu pour le combat. Bon. J'espère que ça va mieux se passer, d'ailleurs. Bon, monsieur. Ah, d'accord, le planétaire. S'il te plaît, Arimes. Arimes, merci. Non, 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 non. Il me one shot! Il me one shot, putain! Ah! Il me one shot cette enflure! Puis j'ai un malus! Là, viens, 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 viens. Technique, renversement. Non mais. Dernier essai en legit. Dernier essai en legit, après je m'en fous. Mais dernière fois. Vas-y, ramène-toi, 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 ramène-toi. Ah. Je suis passé. Je suis passé. Je rêve où je lui mets. Ah si, un petit vin quand même. Hop là. On lui met quasiment un tiers, les gars, je retiens. Par contre, j'ai peut-être réussi à le. Ouais, je pense avoir réussi à le bloquer. Il me fait plus une son attaque one shot. Ah. Ah non, non, j'ai. Par contre, il résiste bien. Du coup. Attends, mais même malgré mon attaque sournoise, il prend pas trop de dégâts. Ça, je. Pourquoi? Arribes se prend quand même pas mal, mais ça va. Là, on est sur un bon combat. Ça va bien se passer. Petit 17. Ouais, ça va quand même être assez long. Ah, ça y est. Il y a 60 de dégâts qui viennent de passer. Là, je bouge quand même. Ah merde, je suis hébété. Ah, je suis hébété. Elle a réussi à pas être hébétée. Ah là là, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Elle se prend quand même pas mal de dégâts, Rimes. Même si elle résiste. Ah puis alors moi les bêtements, les magies comme ça, ça prend, ça dure un bon moment. Je me souviens d'un épisode où j'ai eu un truc qui a duré pas mal de temps. Je vais juste sauvegarder, je vais mettre veilleur. Veilleur 2. Hop. Au cas où. Pour l'instant elle prend Arribes mais elle résiste. Elle résiste plutôt bien. Voilà, j'ai juste à attendre, hein, en gros. À moins qu'à un moment, il me défonce, Milan. Bon. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. Heureusement. Franchement. Ah mais même comme ça il se prend 0 dégâts. Mais même comme ça il se prend 0 dégâts. Qu'est-ce que c'est que c'est. Putain mais cette blague. Ah petit 25. Et Arribes qui prend cher.
Allez, on va peut-être pouvoir le tomber sur le stade de sérieusement blessé. Avant qu'Aribes ne tombe. Que le mal disparaisse. Elle a pris 53, faut qu'elle se soigne. Merci. Elle m'a écouté. Elle a écouté. Ah, il m'a pensé à moi de me prendre l'aggro. Ok. Sauvegarder. Là, il a pris quand même pas mal de dégâts. Ah oui, petite attaque. Mais je lui mets 0 dégâts, mais j'en ai marre. Ah, au secours. Ah, oula, là il s'est pris pas mal. Là il s'en est pris pas mal. Mais il est toujours blessé. Deuxième sauvegarde. Je fais l'effort de pas utiliser de triche par contre là. Ah, sérieusement blessé, parfait. Ah mais, ah non c'est elle ou c'est moi? Non c'est moi, oula. En ce cas, petite potion. Petite potion juste avant l'attaque hein. C'était bien vu. Attention, les extérieurs sont retard. Oui, arrête de parler s'il te plaît. Oh mais le sac à PV. Ce sac à PV, il me reste combien? 114. Oh là là. Ouh. Oula, elle a pris cher. Voilà, soigne-toi. Hypercute touché. Quoi? 100 de dégâts. Oh là 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 là. Critique, parfait. Soigne-toi, soigne-toi, Ribes, soigne-toi. Oh là là. C'est un peu long, je vous avoue, hein. Mais bon, je fais l'effort. Je vous laisse tout le combat de toute façon, parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Vous allez mourir, on l'a compris. Ah, puis il y a un coffre, là, j'avais pas vu. Allez! Allez! 19 de dégâts, yay! Yeah. Mina. Mina. Mina.
infecté. Oh, je vais tout de suite en avoir marre. Putain, mais... Goûtez à ma colère! À la gloire de Tyr! Si dans une minute il est pas mort, ou ils sont au changement de statut et restent blessés, je triche. Parce que c'est un peu long là. Je suis en train d'utiliser des potions pour rien. Et c'est ennuyant. Et elle vient de se refaire. Elle vient de se refaire infectée. Oh, ça va arriver vite. Oh, ça va arriver très très vite, dis donc. J'ai menti. Allez, hop. Pas que j'en ai marre, mais j'en ai marre. Non. Non, c'est ça. Voilà, donc. Tac. Hop, on va appuyer un petit peu n'importe où sur les touches. Hein. Faites des trucs comme ça, appuyez n'importe où. Voilà, par exemple comme ça. Paf, paf, paf. Hop. Voilà. Bien joué. Il est mort. Taras. Alors, un écu. Il va se la mettre, mais ça le recouvre de sang. Cette feuille de papier est devenue friable à cause des années sur le sang du vieillard qu'il possédait. Un peu soufflé, le texte qui contient est rédigé par deux individus différents, comme une sorte de correspondance magique. Vous pouvez déchiffrer la planète. Seigneur, j'ai traqué le planétar à une sorte de sépulture sur la glace. Mais à partir de là, j'ai perdu toute trace. Trouve-le. Mais mon seigneur, il n'y a plus rien à trouver, il est parti. Alors attends-le là où tu es. Et s'il ne vient pas par ici, j'ai dit de l'attendre ici, que ce soit lui ou quiconque pourrait venir après. Mais monseigneur, tes Jérémiades, une faute, tes Jérémiades m'ennuient, veilleur. Je t'ai dit d'attendre. Si j'ai d'autres ordres à te communiquer, je les ferai parvenir. L'encre est si vieille qu'elle commence à blablabla. Et une potion d'armure mortelle. Et, eh ben, on va se barrer. Alors là, il y a une autre salle. Il y a une autre salle, hein, je tiens à le dire. Mais il y a quelques petites récompenses que je ne vais. Bah, si j'allais, je vais les prendre. Hein, parce que j'ai le temps et j'ai bien perdu un maximum de temps. Je vais laisser le debug mode pour la fin de cet épisode. Voilà. Navré, mais boss très 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 chiant pour finir. Je pense même qu'il doit y en avoir encore des petits. S'il y a des petits monstres, je considère que je peux les faire. Et que leur vie n'a que peu d'intérêt. Genre lui. Voilà, lui n'a jamais existé. On utilise la main. Qui. Et pas si loin. Donc du coup, on revient. On utilise la main. La main. C'est. Je suis. La main, s'il te plaît. Ah voilà. Fallait bien se mettre là-bas. Et ensuite, toi. T'as jamais existé. Et là-bas, il y a un trésor que l'on va prendre. Voilà. Je me cale bien. Voilà. Hop, la main. Parfait. Et si je vais juste ici, et ben normalement le trésor qui est là-bas, il va me le prendre. Hop, prends la main. Il a ramené un truc. Et ce trésor, et bien quel était-il?
Voyons. Et ben c'est un bâton. Il me ramène un bâton. Il me ramène la balle. Il me ramène la balle, très bien. On fait le chemin en sens inverse, écoutez. Et puis on va s'arrêter juste devant le portail. Avec cette malédiction pas cool. Hein, parce que effectivement cette malédiction n'est pas très cool et je suis pas bien mis. Faut que je m'en remette bien. Voilà, là je suis bien remis. Merci, la main. Et donc du coup on va s'arrêter ici, ce qui me fait quand même presque une petite heure et demie, mais je pense que pour vous ça devrait durer aux environs d'une heure, donc vu que c'est bientôt la fin, je vais peut-être couper ça en deux ou trois, je ne sais pas encore. Sur ce, merci d'avoir suivi cette session de Neon Internet jusqu'au bout. On est très bientôt à la fin. Vraiment bientôt à la fin. Je pense qu'il va me rester moins de 3 heures pour le jeu. Donc je dirais à peu près 10 épisodes pour la fin. Merci d'avoir suivi donc cette session en ma compagnie. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Donc liker la vidéo, à la partager sur tous tes meilleurs réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou bien ton Facebook ou bien ton Instagram, parce que c'est super important aussi l'Instagram, on l'oublie trop souvent. Tu peux aussi me suivre dans la description, il y a un Discord où il y a pas mal de trucs des fois et où j'annonce les sorties des vidéos, et aussi le Twitter où je suis le plus présent. Merci à tous. Bon jeu, abonnez-vous bien sûr pour la suite de Neverwinter Nights et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights Shadows Holds of the Underdarks, parce que Shadows of Undertide ça fait longtemps que j'ai fini.